mio. Attendez ici que je me charge des sentinelles. Ensuite, allez-y, et trouvez-nous un petit avion. Et les canons anti-aériens? Ils sont sur ma liste. Synchronisons nos montres. Laissez-moi quelques minutes pour les sentinelles et lancez le moteur. Quand je serai sur la piste, vous devrez courir très vite. Si je n'arrive pas à vous rejoindre, décollez sans moi. Ouh, ça risque d'être complicado, j'imagine, cette mission. On va regarder tout de suite ce briefing, il y a beaucoup d'objectifs, ça me fait peur. Alors, déjà, salut à tous les amis, c'est Aspi, j'espère que vous allez bien, bon, en tout cas ça va super bien, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 26 de notre Let's Play sur le jeu vidéo Sniper Elite tué par Rébellion, est sorti en 2005. Dans l'épisode précédent, rappelez-vous, j'avais pas mal galéré avec deux blindés, on était en pleine évacuation du scientifique, du pilote, etc. On était dans un camion, on était deux, l'un des camions s'est fait shooter par un blindé, il a explosé tel un feu d'artifice, nous on s'est planqué quelque part et on m'a laissé faire le travail comme d'habitude, c'est-à-dire éliminer les soldats du NKVD et éliminer les deux blindés, chose qui a été faite en moins de 20 minutes, donc c'était plutôt facile, mais quand même assez stressant. Aujourd'hui, aéroport de Tempelhof, fuir Berlin, donc peut-être que c'est la dernière mission, je ne sais pas, je n'en sais rien, donc nous allons voir ça. 28 avril 1945, l'aéroport est défendu par une batterie de canons anti-aériens, qui devront être mis hors service avant que vous ne puissiez décoller. Les observateurs aériens, les observations aériennes réalisées dans le secteur confirment que tous ces canons sont contrôlés et coordonnés par un camion radar situé sur l'aéroport. Il va nous falloir éliminer les deux opérateurs radio simultanément ou presque pour semer la plus grande confusion possible, ce qui devrait vous permettre de vous échapper. Les canons anti-aériens auront énormément de mal à toucher un petit avion sans l'aide du radar. La première étape consiste à vous approcher du hangar principal et d'éliminer les sentinelles afin que votre équipe puisse trouver un petit avion et le préparer au décollage. Nous comptons sur vous, bonne chance. Alors par contre, il faudra m'expliquer un truc. Je veux bien que ça soit une utopie, etc., que ça fait une chronique, c'est quelque chose qui s'est pas passé, et voilà. Mais en quoi détruire le radar faire que les anciens aériens auront du mal à nous toucher, parce que un radar c'est fait pour détecter, pour loquer également, mais ça c'est aujourd'hui. Les radars de l'époque, ils servent juste à détecter les avions, et les anti-aériens c'est pas des missiles guidés, c'est des canons basiques, c'est comme si c'est des obus, donc ils sont pas téléguidés. C'est contrôlé par des personnes, donc en soi, ça change rien que j'utilise le radar. Enfin bref. Enfin, si, ça a une utilité, mais pas pour celles qui sont en train de me raconter. Du coup, objectif 1, infiltrer le hangar principal et éliminer toutes les sentinelles, si possible, sans alerter la tour de contrôle. Yes. Sans vous faire repérer, approchez du réservoir de carburant situé en bordure de la piste principale et posez-y des bombes à retardement afin de créer une diversion. Ah, pas bête. Attaquer, capturer la tour de contrôle. Depuis la tour de contrôle, éliminer tous les ennemis situés dans le camion en communication ou à proximité. Cela empêcherait le canon de tirer de précision. Éliminer les sentinelles, faire diversion, tour de contrôle, buter tout le monde à la tour de contrôle, protéger l'avion de l'OSS pendant qu'il se prépare à décoller, puis monter à bord. Ok, ça devrait le faire. C'est parti. J'ai plus aucune trousse de secours. Et ça, c'est problématique. Alors, il y a des avions. Très beaux avions. J'aime beaucoup cet endroit. Mais d'un autre côté, je l'aime pas. Alors, on va aller dans le hangar principal et éliminer toutes les petites sentinelles. Rechargeons et allons-y. Donc là, c'est objectif discrétion, du moins pour le départ. Ça devrait le faire.
ça devrait le faire. Et de une. Et de une. Ça fait une sentinelle. Ensuite. Il y en a forcément d'autres. C'est pas la seule. Largement pas. Elle marquait les sentinelles. Par contre, elles sont où ces sentinelles? Alors. Faudrait que j'arrive à les repérer, mais. Je sais pas du tout où est-ce qu'elles sont. Oh là là, mais les détails quoi, les détails! Mettez-moi ces détails, il y a des Messerschmitt 162 ou 163, je sais pas. Faut qu'elle me voit. Ok. Vite. Ok. Ça, c'est bon. L'autre sentinelle maintenant. Elle bouge ou elle bouge pas? Elle a pas l'air de vouloir bouger. Ok. Pour l'instant, tout se passe bien. Il n'y en a pas d'autre. Ça c'est bon. Ok, j'ai pas le temps de m'attarder sur tous les détails, malheureusement. Ok, du coup. Ah, c'est loin! C'est super loin! C'est genre vraiment méga loin! Punaise! Alors attendez, va falloir faire un peu de repérage. Là j'en vois pas. Là-bas j'en vois pas. Et là est-ce qu'il y a des soldats? Je les vois pas non plus. Comment je vais faire moi? Comment je vais faire? Comment je peux faire? Alors attendez. Je vais me débrouiller. Là il y en a une. Là il y a une sentinelle, je l'ai vue. Je l'ai vue, elle est derrière moi. Pour l'instant. Ça va. Là, c'est bon. Pas d'autres sentinelles. Ok. Je vais me caler là. Sauvegarder. J'aurais dû sauvegarder dans le. Ah attends, c'est pas grave. Là-bas, je viens d'en voir une. Elle me regarde, c'est dangereux. Ça risque d'être une mission assez longue, hein. Ne vous inquiétez pas. J'essaierai de cutter les moments un peu chiants. S'il y en a. Oh, j'ai pété une fenêtre, mais ça, je pense pas que ça soit très drôle. Et merde. Eh merde! Bon, tant pis. Ça, c'est parce que j'ai pété la fenêtre. Punaise, c'est pas vrai. Ah! 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 Comment je peux faire? C'est presque impossible sans se faire repérer. On se fait griller par la tour de contrôle obligatoirement. Oh merde, c'est bon, je suis repéré. Même pas? Je vais me faire tirer dessus pourtant. On fait quoi? On sprint?
Allez. À terre. En charge. Je vois personne en haut. Je vois personne ici. Personne là. Un, deux. C'est très 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 risqué. Je peux pas mettre 4 ans quand même. Ok, là y'a personne. Je vais m'occuper de ceux qui sont en haut d'abord. Et après on va s'occuper de ceux qui sont en haut. Personne. Ok. Là, y a rien. Y a rien. Ok. Continue de monter. Personne là. Ça c'est bon. Ok. Tout en haut maintenant. Voilà. Je vais poser. Alors faut que j'aille éliminer les deux zigotos qui sont en bas. Et bon, ils m'ont posé problème. Voilà. Bon vas-y, c'est pas grave de toute façon. Tac. Allez, c'est pas vrai. Allez, hop. Là. Et de 1. Pour le deuxième. Pour le deuxième. Ok, c'est bon. Objectif accompli. Éliminer les renforts adverses et monter à bord de l'avion. Ok, ils vont tous se ramener. Amenez-vous, je vous attends. Allez, venez! Personne? Ok, c'est parti! Oh merde, 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 merde! Vite! Vite! Ok. Allez vite, on y va. On s'en va. On s'en va. Go!
Wow. Ça va super vite. Waouh, et bah dis donc les amis, on a terminé le jeu du coup, je pense. Graphisme, ah ça va super vite par contre. Vraiment beaucoup trop vite. Waouh, bah une mission très compliquée qui a pas été faite vraiment dans les règles de l'art puisque les objectifs, j'ai pas pu tous les accomplir, enfin du moins pas l'objectif secondaire. C'était vraiment très compliqué, j'ai pas réussi à rester discret jusqu'au bout. Trop difficile, beaucoup trop difficile. Mais on a réussi. On s'est échappé de Berlin. Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu, franchement? C'était un bon jeu. Si j'ai voulu faire ce let's play, c'est parce que je trouvais que ce jeu était un jeu qui méritait son let's play, donc qui méritait que les gens le voient et que les gens le connaissent. De toute la saga Sniper Elite, c'est celui qui est le moins connu. En même temps, il est ancien. Je peux comprendre, il n'est pas forcément excellent. Mais moi, je le trouvais très bien, puisque je l'ai connu quand j'étais beaucoup plus jeune. Et il m'avait marqué. J'ai pas été déçu. Donc, franchement, merci Rébellion. Bien joué à eux. Et merci pour ce jeu, honnêtement. Alors, je pense que le crédit, en fait, tourne en boucle. Ouais, donc retour. Ok, et je pense qu'on a fini, hein. On va regarder vite fait. Ah c'est quoi, mission secrète? Ah bah on a peut-être pas fini. On a peut-être pas fini finalement. Bah ça sera pour le prochain épisode en tout cas. Ça sera un épisode bonus je pense, parce que c'est mission secrète. On verra bien. On verra bien. Et bah écoutez, en tout cas les amis, j'espère que... Si... Ne vais pas prendre en compte cet épisode bonus. Pardon, je suis en train de manger un truc. C'est pas bon. Ah. En tout cas, les amis, j'espère que ce let's play sur le jeu vidéo Sniper Elite vous aura plu. Moi, je me suis vraiment éclaté à le faire. On aura passé du coup 26 épisodes dessus. 27 si on compte cette mission secrète, on verra bien. Ça fait beaucoup de missions. Elles étaient toutes... original si je puis dire, très sympathique et je me suis pas ennuyé, voilà, j'espère que vous non plus. Et en tout cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification, c'est très important parce que bah quand je sortirai l'épisode bonus ou un prochain gameplay, vous serez pas au courant et ça c'est vraiment dommage. L'espace commentaire est libre, vous pouvez écrire ce que vous voulez, dire des questions, j'y répondrai, y a pas de souci. Laissez un pouce bleu, c'est très important, ça montre que vous avez aimé la vidéo, moi ça me fait très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain gameplay ou un nouveau court-métrage. C'était Asmi, merci d'avoir suivi ce let's play et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, ciao.